Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Expert From the Food. Expert From the Food, la chaîne que vous connaissez bien sûr. On se retrouve aujourd'hui lundi 21 juin pour une nouvelle vidéo avec ce groupe B. Groupe B qui est quand même toujours très disputé. Donc la Belgique est première avec 6 points. La Russie et la Finlande ont respectivement 3 points. Et le Danemark n'a pas gagné un match, donc le Danemark a 0 points. Les matchs d'aujourd'hui, on va avoir un Russie-Danemark qui est quand même très important et un Finlande-Belgique. On attaque tout de suite avec le Russie-Danemark. Le Danemark qui s'est incliné à 2 reprises contre la Finlande, on le sait, le premier match 1-0 et 2-1 contre des Belges. Le Danemark est dans l'obligation de gagner s'il veut au moins assurer cette troisième place. De l'autre côté, on a une équipe de Russie qui a gagné par le plus petit des scores 1-0 contre la Finlande. Bah, ça a été compliqué. Je pense que les Danois peuvent créer quelque chose contre la Russie. Ils sont favoris, mais je les vois gagner. Certainement également par le plus petit des scores 1-0, en sachant que il peut y avoir quand même des buts dans ce match. Je vais dire victoire du Danemark. La cote est très intéressante, elle est à 1,75. On passe au match suivant du groupe B toujours. Et donc la Finlande qui va accueillir la Belgique. La Belgique, très bonne équipe, cette équipe de Belgique très séduisante. Elle était menée 1-0 contre le Danemark et a renversé la vapeur en seconde mi-temps grâce à un excellent Kevin De Bruyne. De l'autre côté, nous avons la Finlande. Alors la Finlande, pour ma part, j'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai pu regarder les deux matchs de la Finlande. C'est très costaud physiquement, mais ça n'a pas... Ça n'apporte rien tactiquement et techniquement. On le sait, hein, les pays du Nord, les pays scandinaves jouent très physique. Pour ma part, ça sera victoire de la Belgique. La cote est à 1,35, mais de mon côté, je vais tenter quelque chose de plus intéressant en termes de cote. La Belgique s'impose par au moins 2 buts d'écart. Et là, la cote est quand même top. Elle est à 1,94. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon lundi. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Au revoir.